partie ton intérêt pour le chant? Mon frère, il chantait avant. Puis, ben moi, je trouvais que ça ferait du bien que je chanterais. Puis, Moi, dans le fond, c'est que j'ai commencé quand j'étais toute petite. T'sais, même à partir de mes 5 ans, j'ai commencé à chanter. Puis, mes parents m'ont fait prendre des cours de chant. Fait que j'ai comme pu comme évoluer ma voix. Puis, rendu au secondaire, justement, j'ai vu qu'il y avait des auditions. Puis, je me suis inscrite pour justement chanter dans l'harmonie. Est-ce que c'était la première fois que tu chantais sur scène? Non, au primaire, j'ai chanté plusieurs fois en solo. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de chanter sur scène? Le public, il adore ça. Puis moi, ça me rend heureux. Moi, j'ai toujours aimé, être un peu le centre de l'attention. Mais c'est ça, fait que, être devant une scène, puis pouvoir montrer ma passion aussi en même temps, ça me fait toujours plaisir. Comment as-tu été sélectionnée pour interpréter Shallow? Justement, avec les auditions, on m'avait choisi pour faire une chanson à Saint-Gab avec l'harmonie. Puis finalement, elle n'a pas eu lieu. Fait que, à Noël, ils m'ont proposé justement Shallow. Puis j'ai direct accepté parce que j'aime beaucoup cette musique. Qu'est-ce que cela représentait pour toi de chanter cette chanson? J'aime ça faire plaisir au public. Puis pour que mes parents me voient aussi. Dans le fond, je me dis que c'est pour mettre ma voix en valeur aussi parce que tu sais, je suis quand même assez capable d'aller monter dans les highs. Puis justement, j'aime beaucoup cette chanson comme j'ai dit avant, juste avant. Comment te sentais-tu avant de monter sur scène? C'est sûr que j'étais stressée. Puis j'avais vraiment hâte. Un peu comme Félix a dit, j'étais aussi excitée, mais en même temps un peu stressée. J'avais peur justement que je ne sois pas capable de, à cause du stress, monter dans le haut. Fait que, mais finalement, ça s'est bien passé. Quel défi cela représente de chanter avec une harmonie? C'est sûr que justement, avec les tempos qui peuvent des fois être pas ajustés pour la chanteuse ou pour le chanteur, ça peut être plus compliqué. Parce que justement, on a parlé en harmonie qu'il y a des chansons comme n'importe le... des chansons qui peuvent être faites pas pour les chanteurs, puis que c'est les chanteurs qui doivent s'adapter d'après ceux qui jouent. Quels sont les défis rencontrés lors de l'interprétation de cette chanson? Quand mettons, je descendais un grave, ma voix elle bégayait, puis elle faisait des petits sons. Puis je transpirais. Comment as-tu trouvé ton expérience sur scène? J'ai vraiment trouvé ça super. Dans le fond, c'est ça, j'avais comme déjà fait une chanson en duo. Puis ça avait comme un peu mal passé, fait que quand je suis allée avec Félix, c'était comme un peu une crainte que j'avais. Puis je me suis rendu compte que ça a full bien été finalement. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer lors du prochain spectacle? Un petit peu arrêter d'être, restreint à cette place-là, puis tout le temps regarder la partition, puis... Moi, ça serait d'avoir plus mes mots, parce que hier, j'ai quand même un peu perdu mes mots, parce qu'on n'avait plus des paroles. Fait que, c'est ça. Fait que peut-être un peu plus apprendre mes mots pour être apte à être au public.